Eh bien, salut à tous, bande de gamers, et on se retrouve donc pour l'Euro 2016. Et cette fois-ci, nous jouons donc l'équipe du Portugal, et à cette occasion, je me suis habillé avec l'écharpe et le maillot Portugal. Et dorénavant, je serai comme ça pour la suite de l'Euro. Eh bien, c'est parti, commençons le match. Merde. Bon, ben, ça sera comme ça. Non, merde, j'ai pas regardé le times. Et j'ai oublié d'augmenter la difficulté. Est-ce qu'on peut faire demi-tour? Non, on peut pas faire demi-tour. Et... T'as voulu passer, t'es pas passé. Toi aussi, petit exercice vite fait avant l'euro là. Toi aussi. Bon, toi le dernier, je te pète les jambes. Voilà. Et c'est parti pour la Norvège-Portugal. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Nous allons vous commenter un match de cette phase de groupe. Et nous sommes encore loin de la phase des matchs à élimination directe dans cette coupe. Mais ce match est très attendu. Les joueurs sont très concentrés. Ok, c'est parti. Coup d'envoi. C'est le Portugal qui engage. Je laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe locale. Schéma classique. Bah, du coup, ce sera un match facile aussi. Désolé. J'augmenterai la difficulté là encore au prochain match. Fabio Quintrao. Dani. On prend sa chance. Ouais, bon arrêt du gardien sur cette action. Ben, c'était cadré. Portugais qui obtient le corner. Putain, comment il marche lui. Il a une marche comme s'il avait une poignée de verre pilée dans le cul, quoi. Ok, allez, on se concentre. Allez, place une tête. Pouh ! En lucarne. Direct. On ralentit maintenant pour analyser ce but d'un peu plus près. C'est toujours dangereux, les corners. La preuve encore une fois sur cette action, l'exécution est parfaite, la défense est battue. Je vous laisse impression. Ah, il a dit, c'était but. Parfait. Ah, Fodès, je me suis tué avec mon bureau à la con. C'est donc l'ouverture du score 1-0. Et c'est parti. Tarek Kylian aussi. Ouais, c'est un centre. Ah, il y avait mieux à faire sur ce centre. C'est vraiment. Vous avez cru que vous allez marquer ou quoi, les poteaux? Ça ne marche pas comme ça dans la vie. Hein. Vous marquerez d'abord quand j'en aurai mis 4 ou 5 à 0 d'abord. Cristiano Ronaldo et sa vitesse de pointe. Mais merde, je commence à faire des passes un peu suicidaires. Qualité, sans doute avec ses gestes techniques, il est capable de tous les faire, de tous les rires. Cristiano Ronaldo. Allez. Oh, non, putain, non, elle est pas rentrée. On récupère la balle et enfonce, c'est reparti. Cristiano Ronaldo. Allez, tout seul. La frappe de Cristiano Ronaldo. Eh merde, putain. Nani. Et je suis en train de penser, je vous ai même pas mis les hymnes, ni rien du tout, j'ai lancé le match directement. Bon, à la prochaine vidéo, on fait les choses correctement. Joao Moutinho. Et dans la surface, le centre.
Ce sera 6 mètres pour le gardien. Corner. Quoi? Mais c'est pas l'autre qui la sort. Ce but qui donne une bonne bouffée d'air à cette équipe. Il trompe le gardien de la tête en passant son ballon à gauche. Ah merde! Ah non, ça c'est le but. Bah ouais, je pensais que c'était l'autre qui l'avait touché. Bon, ce sera 6 mètres, ce sera 6 mètres. Hein. Ça change rien, hein. Il va en prendre des buts dans la gueule. Très bonne lecture du jeu là sur cette interception. Allez, c'est parti. Cristiano Ronaldo. Oh non. Et la tête. Allez, on place au gardien, bien placé. Oh putain, c'est quoi cette passe là? Thiago. Je fais des passes de merde là. Allez, faut s'appliquer pour centrer. Ah oui, le bon. Allez. Centre, il va marquer peut-être. Putain, le match il va aller plus vite en plus et je suis en train de faire des. Ronaldo maintenant. Des tirs de merde Thiago. Là. Et des passes de merde là, je fais des trucs pourris. Centre, le défenseur qui est le plus prompt sur ce ballon. Oui, le bon tacle. Ah, je vous l'ai dit, en plus, je suis un vrai noob. Hein. Dans FIFA, je suis pas le top du top. Hein. Oui, j'en ai une, deux. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Même en tant que joueur, hein, quand je joue vraiment au foot dans la vie réelle. Oh, le duel avec le gardien maintenant. Allez, vas-y, boum! Putain, il ne veut pas rentrer ce putain de ballon. Ah, je vous disais, même dans la vie réelle, je suis pas le top du top au niveau des joueurs. Hein. Dans la vie réelle, faut pas me mettre dans son équipe en fait. Si tu veux pas perdre le match, faut pas me mettre dans son équipe. La frappe, pas de soucis pour le gardien. Ok, c'est bon, on a un super gardien en face de nous, mais on va trouver un moyen de l'avoir. Ne vous inquiétez pas, le Portugal va marquer encore un but. Les 30 derniers mètres, on va se battre à la tombée. Ah, c'est pas très bien centré, le défenseur est le premier sur ce ballon. Fabio Quintrao. Thiago. Allez, vas-y. Ok, on va essayer de trouver une manière. Le deuxième but offert par Ronaldo. On revoit ce but ralenti. Cristiano Ronaldo. Responsabilité là sur cette action. Et ce but, cette fois-ci. Te l'a mis direct. Hein. Terminé. On est presque à la mi-temps, j'ai fait que 2-0 pour l'instant. Mais quand on a fait une erreur, après que j'ai fait une erreur, que le match il est facile, autant en profiter de marquer plusieurs buts et de marquer plusieurs points, mais là. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Merde, j'ai fait une touche. Tarek Kimun aussi. Bon ballon, on donnait de la tête. Excellente interception, bien joué. Et voilà, mi-temps ici, déjà 2-0. Bon, et bien voilà, première mi-temps, terminé. Quel est votre sentiment sur la première période livrée par Cristiano Ronaldo? Alors, ça a été un des acteurs de cette première période, puisqu'il a marqué. S'il avait été plus en réussite, Carvalho et Ronaldo qui ont marqué. Donc, Carvalho, première minute du match. Et Ronaldo à la 44e minute du match. Bon, ça va, c'est pas mal. Pour l'instant, on mène 2-0, c'est mieux que rien. Hein. J'aurais voulu vraiment marquer plus de points. Comme ça, on est sûr d'être qualifié pour continuer la suite de l'histoire. Mais pour l'instant, on est qu'à 2-0. Il y a pire encore. Il y a pire. Ricardo Carvalho. Il place une tête imparable.
Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui frappe. Oh, c'est dedans. Merde, depuis tout à l'heure j'appuie sur le A pour passer ça, mais... Ah, manette était éteinte, putain, quel con. Allez, on reprend le match. Moi, tu changes d'équipe et tout. Ah ouais, la manette s'est éteinte, ouais, c'est vrai. Bah, c'est bon. C'est bon, laisse-moi reprendre le match, voilà, merci. Allez, on est parti. Là, c'est le début de la seconde période. Et il ne se prive pas pour exploiter ce cadeau. Marcus Eriksen. Et le troisième but, Cristiano Ronaldo. Putain de micro, je vous ai tué les oreilles, je suis désolé. Aujourd'hui, deux buts déjà pour lui. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Allez, on relance le match. Quand vous voulez, les gars. Oh, le spectacle qui est vraiment au rendez-vous aujourd'hui et le score qui est à présent. Allez, c'est parti. Fabio Contrao. Sur ce ballon, il boxe ce ballon. Il va frapper le corner. Je crois que c'est moi qui l'ai sorti en plus. Bon, s'est tourné un peu, il va être remplacé. Match complètement raté pour lui. Il a certainement conscience. Ouais, les gars, vous inquiétez pas. On va gagner le match. On va en mettre 5-0, vous allez voir. On va essayer de faire comme, comme l'Espagne. On va se mettre du point de côté, comme ça on sera premier au classement. On va être tranquille. Ah non, non, c'est corner, c'est corner. C'est moi qui l'a... C'est pas moi qui l'avais sorti, ok. Hop. Et... décide de prendre sa chance. À droit sur le défenseur. Encore un corner. Corner à présent. Bon, ok, cette fois-ci on va essayer de changer une autre manière de faire. Hop. Ah, le centre. Merde, j'ai mal fait mon centre. Choisi de procéder à un changement. Je crois que c'est la faute que j'ai fait, je crois. J'avais fait une faute en haut. J'ai taclé un joueur qui avait plus la balle. Donc ouais, donc du coup il a profité pour faire son changement, que c'est parfait. Ouais, c'est ça, ça reprend ici, c'est ça. C'est le moment pour nous de revoir ce but. Dans la surface, il a le temps d'ajuster son ballon côté gauche et de battre. Il devient fou le jeu, je crois. Allez, c'est parti. Thiago. Attention, la frappe. Et le dernier joueur portugais qui marque. Et le 4e 0. J'ai hésité, j'ai cru qu'il était en hors-jeu, mais c'est bon, il est bon, c'est bon, c'est bon. Et un but de plus.
ralenti tout de suite pour bien comprendre la construction de ce but. Le gardien qui est un peu malheureux sur cette action. La première parade. Il n'y a pas de construction. Hein. Le réalisateur qui nous montre le but sous un autre angle. Je ne suis pas à ce point-là tactique. Je tire, ça rentre pas. Clairement, ce match tourne à leur avantage. Oh, ouais, tranquille. Nani. Ah, ok, c'est parti. Caviar. Allez, on est bon. Ballon arrêté, bien capté. N'écoutez pas ce que je dis de la merde. Allez, donne-moi la balle, celui. Eh merde, je lui rends la balle. João Moutinho. Oh, t'as essayé de me péter les jambes, hein. Mais pour un peu, tu vas prendre un but dans la gueule. Cristiano Ronaldo qui frappe, c'est sans problème pour le gardien. Putain. Et il lui redonne. Allez. Faut récupérer cette balle là. Un bon pressing du défenseur. Je crois que c'est un 6 mètres. C'est pas moi qui est sorti. Il a échappé maintenant. Les chants que l'on entend maintenant. Les joueurs savent que le public a apprécié leur prestation. Allez, c'est parti. 76e minute, on va mettre vite fait ce 5-0 là. Attention avec ce centre. Elle repousse du point. Attention, la frappe. Ouais, c'est contré. Vas-y, mais depuis tout à l'heure, là, il me pousse le joueur sous là. Pim. J'ai pété les jambes, mon pote. Voilà, merci. Hop, je récupère la balle. Oh putain, je fais de la merde là. Allez. Putain, 86e minute, allez. Toi, t'as encore essayé de me péter les jambes, toi. Je vais te péter la gueule au milieu du terrain, toi, ça va te faire bizarre. Ah putain. Allez. Ouais, qu'est-ce joli tir. Toujours pas d'arrêt pour le gardien. Bah, il a fait son premier tir. Wow. On va laisser Drago Malfoy, il est content. Allez, c'est parti. Thiago. Oh là, ce qu'on va avoir le temps là. Nani. Il reste seul. Allez, Cristiano Ronaldo. Peut-être une élongation. On va essayer avec lui. Ça passe ou ça casse. La frappe de Cristiano Ronaldo. Mais c'est quoi ce tir de merde? Voilà. Le cinquième but avant la fin du match. Je me suis tué la gorge. J'avais 203, ça fait 3 maintenant pour lui. Et d'un point de vue personnel, c'est magnifique. Mais bim, en train de réaliser. Et voilà. On voit ce but sous un autre angle. Il est magnifique. Tout simplement parfait.
Ils vont commencer le match, ça va siffler. Le score qui est à présent de 5 buts à 0. 5-0. Un score à l'image de cette rencontre. Et c'est donc le coup de sifflet final. Et voilà, c'est ce que j'avais dit. J'ai le sentiment qu'il n'y a pas vraiment eu de match. Vous partagez mon analyse, Franck? Oui, on n'a vu qu'une seule équipe sur le terrain, Hervé. Elle était plus forte dans tous les compartiments du jeu. Comme je dis souvent, hein, ils auraient pu jouer toute la nuit. Ils n'auraient jamais été inquiétés. Vous avez pensé quoi exactement de la prestation de Cristiano Ronaldo? Bien, c'est peut-être lui la révélation du match. Un triplé avec la victoire au bout, difficile de faire mieux. T'es nul à chier. Et bien voilà. Ce fut un match terrible, suspense à fond. Dani. On prend sa chance. Allez, au suivant. Voyons voir ce que les autres joueurs ont fait. Je crois que ça va pas me le montrer. Ah voilà, ça me montrera pas. Donc là, on avance et on va voir si donc l'Espagne qui affrontera quelle équipe. L'Écosse. Ok, ça marche. Donc, prochain rendez-vous dans la prochaine vidéo Espagne-Écosse. En espérant que vous avez apprécié la vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu, partagez la vidéo sur Facebook et Twitter, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis!